soi, ça change pas énormément de choses, mais cette petite fierté de se dire qu'on est championne de France. C'est quand même mon plus grand rêve depuis toute petite. Bonjour Kita, moi c'est Manon, j'ai 14 ans et je suis championne de trampoline. C'est bien sorti à chaque fois. J'ai commencé donc en CP, j'ai fait une année de cirque. Et dans le cirque, en fait, ça inclut aussi un peu le trampo, et donc on faisait quelques petites choses de trampo. Et puis du coup, il m'a proposé d'en faire et c'est comme ça que ça a commencé. Le but du trampoline, donc, ça va être d'enchaîner 10 touches. C'est d'aller le plus haut possible, de rester le plus possible sur la croix et de faire les touches les plus difficiles tout en étant le plus propre possible. Donc, les jambes tendues, les bras tendus, les doigts serrés, les poings tirés. Si on n'est pas musclé, c'est quand même assez dangereux parce que c'est grâce aux muscles qu'on arrive à bien être stabilisé. Grâce aux cuisses pour bien monter, pour bien pousser, les abdos pour être stable dans la toile, l'équilibre aussi, donc c'est vraiment important. Bah oui, des chutes, ça m'est déjà arrivé, enfin, je pense à tout trampoliniste, et bah, j'ai déjà eu quelques vertèbres de déplacer, mais j'ai rien eu de grave. Vers le haut, on redresse, on bloque. C'est sûr que je le connais depuis très longtemps, c'est un peu aussi grâce à lui que je suis ici maintenant, que j'ai pu faire les championnats du monde. Donc forcément, je le remercie beaucoup pour m'avoir apporté ce savoir. Bon, ce qui m'a marqué le plus, oui, c'est le titre de champion de France. C'est de la fierté pour elle, pour moi, c'est la première du club à y participer. Bah si, allez, essaie de me faire un salto, je sais pas quoi là. Ouais, je suis heureuse. Parfait, très bien. Et elle se donne les moyens, Manon, c'est vraiment quelqu'un de perfectionniste, de courageuse. Et au-delà de ça, elle aime vraiment. C'est sa personnalité. Et Manon, si on lui dit stop le trampo, bah, c'est plus ma fille. Nous, on est là, on l'accompagne, on la guide, mais c'est elle avant tout. Et tant qu'elle prend du plaisir dans ça, moi, ça me va. Pour moi, c'est vraiment important le trampoline. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je ne me verrais vraiment pas arrêter le trampoline.